Toute mère essaye toujours d'unir ses enfants et c'est une souffrance pour elle de voir que les frères sont divisés, confrontés ou qu'ils se disputent. C'est comme ça pour Marie aussi, voir ses enfants, nous, confrontés à Dieu, notre Père, et nous voir confrontés entre nous, même confrontés à d'autres qui sont des catholiques pratiquants comme nous, est quelque chose qui déchire le cœur de la Vierge. Elle essaye toujours de servir de médiateur, d'unir, de faire en sorte que chacun voit le positif de l'autre. Elle essaye de justifier, ou du moins, d'excuser ce que l'autre a fait de mal. Elle nous demande toujours de nous mettre à sa place pour la comprendre, pour tenir compte de sa situation. Et elle le fait avant nous par rapport aux autres, mais il le fait aussi avec les autres par rapport à nous. Résolution. Remercier Marie d'avoir intercédé pour nous, afin que Dieu et nos voisins nous comprennent et nous pardonnent. La remercier en l'imitant et en devenant ainsi des médiateurs, des personnes qui essayent d'apporter la paix, qui aident à résoudre les problèmes et qui parcourent le monde en parlant du bien des autres au lieu du mal. Souligner toujours les aspects positifs de l'autre selon notre jugement et aider les autres à faire de même.